Celles et ceux qui vont participer à ce titre. Merci Karim, merci à tout le monde d'être présent aujourd'hui pour le dernier événement que nous avons mis en place, qui est un méga feat qui va être organisé aujourd'hui sur ce ponton. Je veux remercier Patricia qui est aujourd'hui l'élue de la ville d'Istres qui représente François Bernardini. Merci à la commune d'Istres d'être toujours présent à nos côtés pour les combats qu'on mène, que ce soit pour la réhabilitation de l'étang de Berre ou pour la lutte contre le cancer. Je voulais que tu le saches et que tu remercies François et Nicole aussi qui a toujours été à nos côtés. Simplement pour vous dire que le RET de l'étang de Berre est né le 29 août 2019. C'est une association citoyenne qui fait uniquement de l'événementiel. Moi, je suis ancien sportif de haut niveau, on a mis en place de nombreux événements. Le premier pour la création de l'association, ça a été le Tour de l'Étang en marche nordique. Et jour pour jour, l'année dernière, je m'ai lancé de Salon de Provence où j'allais effectuer 24 heures de marche nordique non-stop pour arriver à Saint-Chamas dans le cadre de la réhabilitation de l'étang de Berre. Merci de l'invitation. Je veux d'abord excuser Monsieur le maire qui n'a pas pu être là physiquement avec nous, mais qui soutient à fond la cause, surtout la cause. Et alors, le terme solidarité, c'est dur, mais oui, il faut être solidaire à la cause, la soutenir, la défendre, qu'on en parle. Il n'y a jamais assez d'action, malheureusement, parce que c'est encore là. Et pour le coup, Istres, ça a été le petit grain de ça par rapport à toutes ces actions qui sont mises en place. Et bien sûr qu'on peut être que là pour défendre, à devoir en parler. Donc voilà, c'est ce que j'ai à dire, il faut continuer. Merci à vous pour ce que vous faites. Donc je m'appelle Virginie Balario, je suis miramasséenne. Enseignante aussi à Gérard Philippe sur Miramas. Et j'ai été très honorée d'être désignée comme marraine de cet événement par Monsieur Garcia. Dès qu'il me l'a proposé, j'ai dit oui, parce que ça me tient à cœur. C'est une cause qui est super importante. Moi-même ayant eu une tumeur congénitale de naissance, je me suis battue pour survivre à cette tumeur. Et je sais que c'est pas toujours le cas pour d'autres personnes. Le cancer du sein touche énormément de personnes en France. J'en ai eu dans ma famille également. Donc ça me tient particulièrement à cœur, cette cause qu'il faut continuer à combattre. Et voilà, c'est le cancer. Merci pour faire ces associations-là. C'est le RAID de l'étang de Berre qui propose toutes ces belles initiatives pour toujours faire en sorte que l'on lutte contre le cancer du sein. Je vous remercie beaucoup. Je vais lui redonner la parole, parce qu'il faut qu'elle vous parle de son palmarès, parce que c'est une sportive de haut niveau, de très haut niveau, qui mène des combats internationaux, et donc ça sera une excellente ambassadrice pour l'association, pour l'étang de Berre, mais aussi pour la cause des femmes. Oui, merci. Oui, en plus dans un sport extrêmement combatif, donc voilà, je suis championne de karaté, de para-karaté en fauteuil roulant. Je suis championne de France depuis quelques années et je suis vice-championne du monde de para-karaté en fauteuil roulant féminin
depuis Dubaï en novembre 2021. Et troisième au championnat d'Europe qui ont eu lieu en Turquie en mai 2022, cette année. Et voilà, je vais représenter encore mon pays, la France, au prochain championnat d'Europe qui auront lieu en Espagne en mars 2023. Voilà, je vous remercie. Bravo, bravo. Alors, s'il y en a qui cherchent la bagarre, on est prêts. Hein. Juste avant de céder la parole à Christine, vous expliquez un peu le fonctionnement aussi du raid de l'étang d'Auberge. On crée des événements. À chaque événement, on a une marraine. Aujourd'hui, c'est Virginie, cette sportive de haut niveau qui nous fait l'honneur de sa présence à mes côtés. Et ça me touche énormément. Mais je voulais vous présenter également Christine Palacio, qui est la marraine du Pass Anaïs. Le Pass Anaïs, on en parlera tout au long de l'après-midi. C'est cette plateforme qu'on a créée pour accompagner les femmes touchées par le cancer du sein. On mettra à leur disposition des ateliers thérapeutiques, des ateliers de bien-être, mais aussi des conseils pour la reconversion professionnelle. Et aussi, le raid de l'étang d'Auberge s'est doté d'un avocat. On pourra apporter aussi des conseils juridiques. Et donc Christine, elle m'accompagne déjà depuis 2 ans. Puisqu'on s'est connus à Berre lors d'une journée de bien-être, et elle est devenue la marraine du Pass Anaïs. Bonjour, donc moi je suis très honorée d'être associée à ces belles actions, à ces belles causes que défend le raid de l'étang de Berre, puisque ce sont deux causes qui me touchent personnellement et profondément, que ce soit la réhabilitation donc, du pourtour de l'étang de Berre ou le cancer du sein. Voilà, donc pour vous présenter rapidement, le cancer du sein, je connais bien puisque je cohabite avec depuis 9 ans. Voilà, donc j'ai malheureusement perdu 2 années dans le diagnostic. Et 2 années, c'est énorme quand on fait face à, on fait face à ça. Donc en 2 années, le cancer, il n'est pas resté localisé, il est parti. Il est parti essentiellement dans les os. Donc ça s'appelle un cancer métastatique. C'est un cancer de stade, je me rappelle plus, 4, c'est le dernier. Donc les traitements sont beaucoup plus lourds que pour un cancer qui est pris assez précocement. On sait qu'un cancer pris à temps, c'est 90% de chances de guérison. Après, c'est pas la même bataille, l'ennemi c'est pas le même non plus. Voilà, donc moi je suis très heureuse d'être ici parce que je remercie la médecine d'abord, parce que sans la médecine je ne serais pas là. Et puis moi dans mon parcours j'ai aussi eu à prendre soin pas que de mon corps, à prendre soin de ma tête, pas de mon corps médicalement je veux dire, mais voilà, avoir d'autres thérapeutes complémentaires, des thérapies complémentaires, parce que c'est important pour supporter les traitements. Et puis c'est important aussi pour le moral, parce que c'est un cataclysme émotionnel, mais c'est aussi un cataclysme pour le corps. Voilà, donc merci Jean-Philippe pour tout ce que tu fais. Maintenant, on va passer à la deuxième étape, donc l'étape où vous allez pouvoir toutes et tous vous réchauffer, parce que je pense que ceux qui sont de l'autre côté attendent ça avec impatience. Jean-Philippe. On souffle un peu les épaules, donc on fait des rotations de poids. Allez, on change du bras.